Thank you everyone for being here. Je voudrais ici commencer par rappeler les objectifs de cette session. C'est ensemble échanger sur les grands défis de la réponse humanitaire en matière de protection de l'enfant, particulièrement dans la région centre-nord du Burkina, et partager avec vous un modèle de coordination dans lequel les instances techniques de conception impliquent le gouvernement, les ONG nationales et internationales et les agences des Nations Unies. Et tout cela pour faciliter la réponse de protection en ne laissant personne de côté, y compris dans les zones enclavées ou occupées par les terroristes. Slide, s'il vous plaît. Je vais commencer par vous faire un slide, s'il vous plaît. Je voudrais commencer par vous faire un exposé, un peu le contexte régional d'abord, avant de passer au contexte du pays. Le contexte régional, il faut garder en tête que nous sommes dans le Sahel et que dans le Sahel, il y a une crise qui affecte particulièrement trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Et le Burkina est au milieu du Sahel. Et ici, il y a 20 millions de personnes qui sont affectées par les violences contre les civils, une forte démographie et des changements climatiques, avec toutes les conséquences liées aux changements, inondations, sécheresses, et donc déficit en matière alimentaire. Slide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, slide. Le contexte national au Burkina est marqué par une détérioration de l'environnement protecteur des enfants à cause du contexte sécuritaire. Juste quelques chiffres pour commencer. Il y a 27 enclaves, c'est-à-dire des zones où on ne peut pas, où on peut soit entrer ou sortir, mais c'est difficile. Il y a 4 zones qui sont complètement inaccessibles et 11 zones qui sont sous observation, c'est-à-dire qui risquent la situation sécuritaire risque d'être aggravée. En 2019, il y avait 82 000 personnes déplacées internes. Moins de 3 ans après, on est à 2 millions plus déplacés internes. Et parmi ces 2 millions, il y a 1,2 million d'enfants, 58% d'enfants. Les victimes se dénombrent en milliers avec une augmentation des graves violations des droits des enfants. Et les privations sont quotidiennes pour plus d'un million de personnes qui n'ont plus ou un accès, qui ont un accès réduit aux services sociaux de base, santé, éducation, nutrition, wash. Les télécommunications sont coupées. Il y a très peu de produits de première nécessité disponibles dans certaines régions. Et les mines, les engins explosifs non identifiés commencent à faire des ravages. Il y a eu 1113 victimes, dont 551 décédés. On ne connaît pas le chiffre encore exact pour les enfants. Et là, nous avons fait le plaidoyer pour qu'il y ait une désagrégation pour les enfants plus fine. Slide, s'il vous plaît. Si vous regardez la carte du pays, vous voyez que toutes les communes au nord, à l'est du pays et sont extrêmement touchées par la sévérité des besoins. Et il y a plus d'une centaine dans le HRP de cette année, 1 500 000 enfants ont été identifiés comme étant dans le besoin. Et le domaine de protection de l'enfant cible 747 000 enfants pour un budget de 71 millions de dollars. Et comme activité, nous avons de l'appui psychosocial. Nous ciblons 41 000 personnes pour tout ce qui est documentation civile, parce qu'on sait très bien qu'avec les déplacements, les enfants n'ont pas toujours leurs actes de naissance. Nous ciblons 56 000 adolescents, filles et garçons,
pour les compétences, les former en compétences de vie. Et 747 000 enfants, notre cible, c'est pour l'appui psychosocial et la prise en charge psychosociale, parce que c'est le cœur, c'est la porte d'entrée pour s'occuper de la protection des enfants. Slide, s'il vous plaît. Slide, s'il vous plaît. Donc, là, nous avons la réponse, ce que nous faisons et où nous le faisons. Nous le faisons dans 8 régions du pays, dans 26 provinces et 87 communes, avec une cinquantaine d'organisations. Donc, ça, nous avons listé. Et parmi les choses qui sont très importantes sur lesquelles que nous faisons, c'est tout ce qui tourne autour des espaces amis des enfants, où l'appui psychosocial est fait, où la détection des enfants victimes de violences peut être faite, où nous faisons également de l'accompagnement des enfants séparés et non identifiés. Et évidemment, tout ce qui est enfants associés avec les groupes armés. Slide, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, slide. Voilà. Donc, donc maintenant que nous avons fait ça, la situation d'ensemble, je vais laisser la parole à notre cher Aimé, le coordonnateur du domaine de responsabilité de la protection des enfants, qui va faire une présentation plus détaillée du Centre Nord, qui a mis en place un modèle de coordination qui est l'objet principal de cette session. Un modèle qu'on aimerait partager avec vous pour plus de prise en charge de la protection des enfants. Over to you, Aimé. Merci beaucoup, Soukena. Pour le contexte du Centre Nord qui porte un peu le partage de cette expérience, on peut revenir au slide précédent. Je voulais camper le décor en rappelant que le Centre Nord est l'épicentre de la crise humanitaire au Burkina, en ce que les premiers incidents liés à cette crise ont été enregistrés dans cette région et là depuis 2019. Et de 2019 à nos jours, la situation n'a cessé d'évoluer et souvent s'est dégradée. De façon continue, on a enregistré les déplacements des populations. Et à nos jours, nous sommes autour de 483 000 personnes déplacées dans la région, avec plus de 58% d'enfants. Cette crise humanitaire est une crise à connotation purement protection, dans la mesure où c'est des attaques, c'est des déplacements de populations, c'est des recours aux moyens comme les IED dans les stratégies des groupes terroristes, mais c'est aussi l'ampleur des besoins, dans la mesure où, quand on prend la région du Centre Nord avec 28 communes, toutes ces 28 communes sont concernées par les déplacements des populations. Et parmi ces 28, il y a 8 communes qui sont vraiment enclavées. Donc, vous comprenez que dans un tel contexte, en matière de protection, il y a des grands défis. Les défis sont d'autant importants que nous enregistrons un déplacement continu des populations. Slide. Ces déplacements s'illustrent à travers cette carte que vous voyez, qui traduit les mouvements des populations au cours de l'année 2023, 2022 du moins. Au cours de cette année, on a enregistré au total 44 alertes de déplacement de population et ces déplacements ont été tous les mois. Voilà, ce qui pose comme problème la capacité même des acteurs à pouvoir répondre de façon urgente et de façon opportune aux besoins de protection de ces enfants. Donc, pour mieux faire face à cette situation, la coordination du Centre Nord pour la protection de l'enfant en situation d'urgence s'est organisée. Et cette organisation visait à relever les défis qui sont les suivants. Slide. Pour 2023,
nous avons que l'impact majeur de cette crise sur les enfants peut s'illustrer à travers ce qu'on partage avec vous. Étant donné que cette crise humanitaire a une grande connotation de protection, nous avons l'impact considérable sur les enfants en termes d'enfants qui sont victimes de meurtres et de mutilations, de maltraitances, de violences sexuelles, ou déjà bien avant même la crise, une fille sur deux était mariée avant 18 ans, 3,1% des filles étaient déjà exposées à des violences sexuelles. À la faveur de cette crise, plus de 80% des enfants étaient exposés à la détresse. Nous enregistrons de plus en plus des enrôlements, surtout les adolescents de 13 à 17 ans qui sont exposés aux enrôlements par les groupes armés. Et naturellement, avec les déplacements, nous avons beaucoup d'enfants séparés, non accompagnés, et auxquels problèmes s'ajoute le travail des enfants. De manière transversale, la région, nous connaissons des problèmes dans l'éducation parce que 45% des écoles sont fermées, 41% des centres de santé de la région sont fermés. Nous enregistrons 8,2% des enfants qui sont en malnutrition aiguë et à cela s'ajoute la crise alimentaire du fait que les populations n'arrivent plus à travailler. Et tout ça dans un contexte de dégradation continue de l'environnement. Heureusement que dans la région, on a quand même des opportunités et ces opportunités sont en lien avec le cadre légal du pays qui prête à la protection. Les services de protection sont disponibles. Par exemple, pour la seule région, nous avons 162 travailleurs sociaux. Nous avons les outils, notamment les outils de gestion des cas. Nous avons des mécanismes communautaires à travers les familles d'accueil, les cellules communautaires où dans la région, on a autour de 600 cellules communautaires qui sont mises en place. Donc, c'est dans ces défis impact de la crise que la coordination s'est mise en place. Slide. Et dans cette coordination, les défis majeurs, vous comprendrez, sont en lien avec l'accès opportun aux services de protection. Je le disais tantôt, vu l'ampleur des enfants à besoin. Pour l'année 2023, la CIL région du Centre Nord a 235 000 enfants qui ont été ciblés parmi 432 000 qui sont dans les besoins. Nous avons les évidences des données pour faciliter la planification, coordonner la réponse. Maintenant, on a aussi la synergie, la complémentarité entre les acteurs à développer, le renforcement des capacités locales et surtout en matière de prévention et de réponse, mais aussi des réformes et des innovations pour s'adapter à la situation et s'adapter au contexte. Mais aussi la participation des enfants, l'engagement communautaire à travers les mécanismes communautaires. Donc, c'est pour relever ces défis que, en plus de la coordination ordinaire qu'on connaît dans les situations pareilles, le Centre Nord a mis un comité technique qui est un aile de support à la coordination pour pouvoir organiser la réponse protection dans la région. Slide. Ces comités techniques. C'est quoi? C'est un petit noyau composé de 6 personnes, de points focaux du gouvernement, d'un point focal des ONG locales, d'un point focal des ONG internationales, de l'UNICEF et du ACR. Pourquoi? Parce que nous, on s'est dit, vu l'ampleur du travail, on devait mieux s'organiser pour que cet organe soit un organe technique qui puisse garantir l'implication et la responsabilisation effective du gouvernement. Le renforcement de la localisation, une réponse adaptée au contexte, mais aussi s'assurer du transfert des compétences et des capacités pour les acteurs au niveau régional. Comment et pour quels résultats nous avons conduit ce modèle? C'est ce que nous allons voir à travers les présentations de mes autres collaborateurs. Slide. En attendant la transition pour la présentation avec les autres collègues. Merci beaucoup, cher Aimé. Avant de passer à la phase suivante de cette session, on aimerait un peu avoir votre avis sur ce que vous pensez, pourquoi et comment, quel est l'intérêt d'avoir une coordination efficace. Donc, ça va être sous forme d'un Mentimeter.
nous allons vous demander un peu de partager un peu vos sentiments. Pourquoi? C'est quoi une coordination de qualité et quel est l'intérêt, à votre avis? Je pense qu'il y a une main levée. Les réponses qui commencent à tomber, on a déjà, sont extrêmement intéressantes. On a une communication ouverte entre les acteurs, respect de la discipline de chacun et du rôle de chacun, avoir des résultats visibles, c'est très important parce que c'est la visibilité qui permet d'avoir des financements, avoir des meilleurs résultats pour les enfants, une communication active avec d'autres partenaires, extrêmement important, et sauver des vies, qui est le cœur de notre travail. Sauver des vies. Et évidemment, en sauvant des vies, en apportant l'appui psychosocial, on atténue la souffrance des enfants. En tout cas, merci beaucoup pour ces très belles réponses qui enrichissent la discussion. On va passer donc. Vous pouvez continuer aussi, hein, si vous voulez, encore une ou deux minutes. Et pendant ce temps-là, on va introduire M. Zongo, qui va un peu nous parler du rôle de l'État. Monsieur Zongo est un administrateur des affaires sociales qui représente l'État du Burkina Faso dans le comité, dans la coordination de domaine de responsabilité de la protection des enfants de la région Nord. Zongo, tu as le micro. OK. Merci bien, et Madame Soukena. Et bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi, en tant que représentant de l'État, pour s'entretenir avec vous sur la plus-value, en fait, de la présence de l'État dans le modèle de coordination que nous avons mis en place dans la région du Centre Nord. Et il faut dire à cet effet que je joue en tout cas divers rôles dans ce comité que nous avons mis en place. Slide. Soukena. Soukena. OK, merci bien. Donc, je disais que je joue en tout cas divers rôles dans ce modèle de coordination que nous avons mis en place dans la région du Centre Nord. Et tout d'abord, je joue le rôle là d'interface et en assurant en fait la liaison entre les acteurs pour la couverture et la continuité des services de protection. Et qui dit en tout cas acteurs, dit les acteurs des services sociaux, on a aussi les ONG, ainsi que les services techniques aussi qui sont dans la région. Il faut dire aussi que j'ai piloté l'élaboration, la diffusion et aussi la validation des circuits de référencement des enfants à besoin de protection dans la région du Centre Nord que nous avons élaboré en juin 2022. Et ce circuit de référencement intègre et la dimension humanitaire et aussi le nexus. Voilà. Et j'ai aussi participé à la tenue d'une rencontre intersectorielle qui a réuni les secteurs de l'éducation, on a le secteur de la nutrition, la sécurité alimentaire et la protection de l'enfant. Quand nous prenons la dimension planification, il faut dire à ce niveau que je contribue fortement au suivi du contexte humanitaire en lien avec la protection de l'enfant et en quoi faisant, en disponibilisant vraiment des données sur les personnes déplacées internes
périodiquement, et aussi les données sur les enfants déplacés internes. Et il y a aussi les alertes qui sont en tout cas diffusées, que nous avons le plaisir de partager à tout moment avec les acteurs de protection de l'enfant. Et j'ai contribué aussi à l'organisation de la participation des services sociaux et l'évaluation des besoins de protection de l'enfant dans la région du Centre-Nord. Et quand nous prenons sous l'angle des renforcements des capacités, il faut dire que j'ai contribué aussi aux actions de renforcement des capacités et en faisant vraiment la remontée des besoins de formation des différents acteurs, et notamment les services et de l'action humanitaire, ainsi que les acteurs aussi des ONG. Et j'ai aussi contribué à la formation de plusieurs acteurs. Et à ce niveau, il faut dire que en 2022, près de 200 acteurs de protection de l'enfant ont été formés, dont près de 100 travailleurs sociaux de l'État. Et j'ai aussi contribué à l'harmonisation des outils en lien avec la protection de l'enfant et aussi la promotion des approches à base communautaire. Et il faut dire qu'à la date du 7 février 2023, la région du Centre-Nord comptait 639 cellules communautaires de protection de l'enfant et 27 réseaux communaux de protection de l'enfant et 3 réseaux provinciaux de protection de l'enfant. Et enfin, en lien avec la représentation et la facilitation, j'ai aussi représenté le comité à tous les cadres de concertation qui nous impliquaient. Et il faut dire aussi que j'ai contribué vraiment à un engagement des directeurs en charge de l'action humanitaire sur les dossiers clés du domaine des responsabilités. Et aussi, j'ai contribué à l'élaboration des documents de plaidoyer et j'ai assuré vraiment l'interface dans l'organisation des journées. Slide. OK. Donc, il faut dire que mon implication dans ce comité-là a permis d'engranger un certain nombre d'indicateurs. Et pour illustrer, en fait, mes propos, il faut dire qu'en 2022, on a pu, en tout cas, toucher 108 892 enfants dans le domaine de l'appui psychosocial. Et 1010 ENAS, enfants non accompagnés et enfants séparés, ont été pris en charge. Et sur ce nombre-là, cet effectif, il y a 109 enfants qui ont bénéficié de la réunification familiale. Je ne saurais vraiment clore mes propos sans pour autant, en tout cas, adresser aux acteurs des structures étatiques, on a les ONG et associations, les systèmes des Nations Unies et les autres membres du CPAOR qui nous suivent, que le modèle du comité que nous avons mis en place dans la région du Centre-Nord et favorise vraiment la pédagogie par l'exemple. C'est vraiment un exemple et ça nous a permis de renforcer un peu la pédagogie et d'apporter cette pédagogie-là aux acteurs de protection de l'enfant dans la région. Et ce modèle de comité permet vraiment la coordination adaptée, efficace et concertée, centrée sur la recherche des stratégies innovantes pour une meilleure réponse de la protection de l'enfant. Et aussi, il faut dire que ce modèle de comité assure vraiment l'efficacité du suivi des décisions et la capitalisation et l'appui conseil des acteurs. Et enfin, le modèle de comité permet le renforcement de la collaboration et du partenariat entre les acteurs, notamment l'État, les ONG et associations, le système des Nations Unies. Je suis vraiment au terme de mon exposé que j'ai pris le soin et le plaisir de vous présenter. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Zongo. Je pense que je n'ai pas mes notes, malheureusement, j'ai un petit problème technique. Tu dois introduire Judith ou il y a un autre Mentimeter à faire dans le, si vous avez le chronogramme sous les yeux. Il y a un Mentimeter tout de suite. Donc, on va commencer par ça, chers collègues. Selon vous, quel est la plus-value de la forte implication de l'État dans la
coordination des cibles et AOR dans un contexte de conflit armé terroriste. Ensemble, essayons de répondre à ça. Après ça, après le menti, on pourra réserver quelques minutes pour échanger s'il y a des observations ou des contributions par rapport à ce qui a été dit avant de passer aux deux dernières présentations. OK. Elena, on aura besoin. On va faire le. Chers collègues, on va passer en revue ce qui a été dit. Donc, pour certains, c'est l'alignement du plan de réponse humanitaire avec la vision du pays, une réelle prise en charge de la protection des enfants, sustainability and planning response, and plus de. Une meilleure prise en charge des services de la protection des enfants et pour justement avoir la situation sous contrôle. Pérennisation des interventions, surtout en ce qui concerne la gestion des cas, et capitalisation des outils et stratégies. Effectivement, l'appropriation également est extrêmement importante. Donc là, on va faire à la suite un deuxième. On va poser la même question, mais par rapport aux organisations nationales et internationales. Quel est pour vous, quel est l'intérêt? Elena, and technician, please, we would like to have the Mentimeter about, no, we would like to have the Mentimeter about the second one, which coming after that. Yes, this one. Perfect. Voilà. So, ici, nous voudrons savoir, à votre avis, ce que vous pensez de est-ce que oui ou non il y a de la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée, à votre avis, de l'implication des ONG dans la coordination en milieu terroriste et conflit armé. Et après ce Mentimeter, nous allons pouvoir donc un peu discuter avant de faire la présentation. Nous avons déjà quelques réponses très intéressantes. Qu'est-ce qui ressort? Quelle est la valeur ajoutée de l'implication des ONG? On nous parle de complémentarité de l'expertise. Ça veut dire que chacun apporte ce qu'il sait faire. Chacun apporte ses réseaux. Et c'est très important qu'on tenait dans le cadre de la réponse humanitaire et qu'on a des questions liées à l'accès, ce que nous avons évoqué dans les trois présentations précédentes. Utilisation et familiarisation avec les standards internationaux. La durabilité, renforcement de la qualité des interventions, diversité des solutions qui sont proposées, mutualisation des ressources locales et de l'expertise internationale. Maintenant, ça, c'est ce que vous pensez. On va comparer avec ce que les ONG font et on va voir est-ce que ça match, est-ce que ça coïncide avec, est-ce qu'il y a une coïncidence entre ce qui est fait au Centre Nord et ce que vous avez dégagé comme solution. Donc, avec votre permission, on va laisser la parole à Judith. Merci beaucoup pour votre participation. OK, merci. Merci à vous pour la parole et merci pour l'intérêt accordé à notre expérience sur la collaboration. Moi, je représente les ONG locales au sein de ce comité et ma contribution se situe essentiellement à quatre niveaux. D'abord,
une bonne adaptation et la localisation de la réponse. Je participe aux analyses sur les stratégies d'accès. Voilà, j'ai participé activement à la mise en place d'un circuit de référencement approprié et à sa diffusion, et cela à travers le recensement des acteurs et des services qui sont offerts. En tant que membre de la communauté et vivant aussi les mêmes réalités que les membres de la communauté et que les enfants, je m'assure que leurs préoccupations sont prises en compte dans la planification de la réponse et à travers le PTA, le plan de travail annuel. Et je participe également à des sessions de réflexion et sur les stratégies de collaboration et d'innovation. En termes d'innovation, les expériences locales partagées lors des sessions organisées ont permis de drafter un guide qui ont permis de, au niveau régional, qui a été expérimenté et adopté au niveau national pour servir de référence. Sur la collaboration, les ateliers auxquels j'ai pris part ont permis de mettre en évidence l'importance de l'intégration de la protection dans les autres secteurs. Par exemple, les espaces amis des enfants que nous avons, tous les enfants de 0, de 6 mois à 5 ans qui fréquentent les espaces sont systématiquement dépistés de la malnutrition et référés au niveau des centres de santé pour une prise en charge appropriée. Également, et au niveau de l'éducation, les enfants qui sont et qui fréquentent l'espace et qui ont l'âge d'être scolarisés sont identifiés et réinscrits à l'école ou en attendant, ils sont initiés avec l'alphabétisation en attendant de les faire rejoindre les cours s'il se trouve qu'on est en milieu d'année. Et pour ce qui est de la représentation, je m'assure que les préoccupations et les besoins des ONG locales sont prises en compte dans l'élaboration du plan de travail annuel. Et je constitue aussi un relais entre l'État, les ONG internationales et aussi le système des Nations Unies qui sont représentés dans le comité. Pour ce qui est de la veille humanitaire, je contribue à la préparation des évaluations à travers l'analyse des risques, les stratégies d'accès et à ce titre, je constitue encore un relais communautaire pour la remontée des alertes à travers les relais à travers les cellules communautaires de protection des enfants et nos relais communautaires dans les localités. Et je constitue moi-même à ce titre un relais. Et enfin, ma contribution en termes de renforcement de capacités est que je m'assure aussi de la prise en compte des besoins de renforcement des acteurs locaux dans le PTA, le plan de travail annuel qui est élaboré par la coordination. Et moi-même, j'ai été renforcée en capacité et cela me permet de partager aussi en formant les acteurs, et ce qui permet le transfert des compétences. Slide. Voilà, en termes de message clé que je voudrais formuler à l'endroit des acteurs, et que ce soit les structures étatiques, les ONG, associations, les systèmes des Nations Unies, les autres CPAOA, c'est que l'implication des ONG nationales peut permettre de renforcer l'adaptation de la réponse en termes d'innovation et de stratégie d'accès. Le modèle de coordination aussi est un modèle qui intègre, qui assure un transfert de compétences et contribue au renforcement du système de protection. Le modèle aussi peut favoriser la visibilité des interventions et locales. Donc, c'est un appel en même temps pour dire aux acteurs de vraiment impliquer les ONG nationales, car cela pourrait contribuer à
à améliorer considérablement la réponse. Voilà essentiellement ce que j'avais à partager avec vous. Et je vous remercie et je repasse la parole à Soukeina pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Judith, qui nous a fait un exposé très intéressant sur le rôle des ONG locales. Là, je vais passer la parole à Madame Capo Chichi, Gloria, qui travaille pour le Conseil danois pour les réfugiés. Et elle co-facilite pour le compte du sous-cluster protection, du cluster protection. Elle co-facilite donc le domaine de responsabilité de la protection des enfants en situation d'urgence depuis mai 2020. Voilà, donc Gloria, à toi la parole. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'attention portée à notre session. Ma plus-value en tant qu'organisation internationale dans le comité technique, c'est d'apporter un appui technique essentiellement, jouer un rôle de représentation, transférer nos compétences et faire des plaidoyers afin d'avoir les ressources nécessaires pour nos activités. Dans le comité, en fait, ma présence est de contribuer à l'analyse et au partage des expériences sur l'accès, préparer les évaluations et proposer des activités pour une réponse efficace de notre plan de travail annuel. Par partage d'expériences sur l'accès, il s'agit des zones d'intervention par les moyens utilisés par les différents staffs des autres organisations. Les meilleures expériences sont partagées afin que l'exemple soit suivi pour une meilleure réponse. Et les activités proposées pour les réponses efficaces, c'est essentiellement des formations. Je participe également à la préparation des réunions où j'assure le rapportage et le suivi des recommandations. Je prends en compte les besoins de synergie des différents acteurs et la complémentarité dans les réponses avec les services étatiques et les ONG locales. Par exemple, en cas de besoin de prise en charge d'un cas, lorsque l'alerte est donnée, le résumé du cas est partagé et avec les autres membres du comité en priorité afin de voir comment agir dans l'urgence. Il est arrivé que par moment, seule une organisation prenne en charge la prise en charge de tout le cas. Tout comme par moment, il est arrivé que plusieurs organisations se mettent ensemble pour prendre en charge le cas, les différents aspects. Je contribue également à l'élaboration du plan de travail annuel de la coordination sur la base des fonctions de coordination avant que le draft final ne soit soumis au grand groupe pour amendement ou validation. Il m'arrive de prendre le lead dans la préparation et l'élaboration des outils, des questionnaires pour certaines activités clés de la coordination. Par exemple, les questionnaires pour l'évaluation de redevabilité envers les enfants, pour les activités de protection, ou bien les outils pour l'élaboration du circuit de référencement. Je contribue aussi à l'élaboration des plans de plaidoyer pour des réponses spécifiques à certaines localités à fort déficit, à fort défi sécuritaire et humanitaire, également à la mobilisation des ressources pour nos activités. Je pourrais avoir le prochain slide, s'il vous plaît. Les messages clés que je voudrais faire passer auprès de tous, notamment auprès des ONG internationales, et c'est un cri de cœur que les organisations internationales s'impliquent
dans la coordination, surtout par le modèle de comité technique, car cela permet de prendre en compte le transfert de compétences et le renforcement du système. Transfert de compétences par les formations données par toutes les ONG et renforcement du système par les partages d'expériences de chacun. Le second message est qu'il faudrait vulgariser et modéliser l'exemple du comité technique pour plus d'efficacité dans les réponses humanitaires. Pas que les coordinations de protection de l'enfance, mais toutes les autres coordinations pour plus d'efficacité et plus d'efficience dans les réponses. Enfin, je voudrais lancer un appel aux organisations internationales afin qu'elles s'impliquent fortement dans la coordination pour une réponse humanitaire plus coordonnée. Merci à tous pour votre écoute attentive. Je repasse la parole à Sukeina. Merci encore. Merci beaucoup, Gloria, et tous les collègues Aimé Zongo. Et surtout, merci à toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette session. Avant de nous quitter, parce que la session tire à sa fin, je voudrais vraiment partager avec vous quelques défis que nous rencontrons au quotidien dans la coordination de la protection de l'enfant. Le premier parmi ces défis, c'est la lenteur dans la prise de position ou dans la prise de décision, car souvent, on est obligé de se concerter entre tripartite, quelquefois même quadripartite, pour prendre certaines décisions. Et on est dans l'urgence. Nous devons améliorer ce que nous faisons en la manière dont nous nous organisons, dont nous répartissons les tâches, dont nous partageons les tâches entre composantes de l'équipe de coordination. La question des standards de protection des enfants par tous, ça s'est revenu dans les Mentimeters quand on a dit qu'il était important, vous avez dit qu'il était important que les partages, les standards de protection des enfants soient connus de tous, soient appliqués. Tous les enfants doivent pouvoir avoir accédé aux meilleurs services possibles selon les meilleurs standards. Il est important également d'améliorer la collaboration entre ONG locales, parce que souvent on travaille en silo. Et ce travail en silo est également vrai pour les acteurs entre les secteurs étatiques. Et améliorer la collecte des données, parce que les données, c'est l'information. C'est une information stratégique qui permet d'agir en fonction des évidences récoltées sur le terrain. Slide, s'il vous plaît. Donc, en gros, si je devais faire le feedback, la synthèse du feedback, ce que je retiens, c'est qu'il y a une crise humanitaire complexe qui demande une adaptation continuelle de systématiser la complémentarité des acteurs. On doit systématiquement s'assurer que ce que nous faisons fait partie d'un ensemble conçu en faveur de la protection des enfants et que notre action vient compléter celle de l'autre. Nous avons donné les exemples de la complémentarité entre secteurs nutrition, WASH et protection. Et nous devons faire preuve de flexibilité parce que la situation est changeante rapidement et dans les financements et aussi dans la façon dont nous agissons. Par rapport à un message aussi important, nous pensons que c'est important de réfléchir comment, dans notre coordination au quotidien, nous pouvons mieux faire face aux défis.
on ne pourra pas terminer sans faire un appel à l'action en faveur de l'enfant. Il est important de renforcer la localisation en mettant en place des modèles adaptés qui mettent l'enfant au cœur de notre action. Parce que quand on n'est pas sur place, là où il faut délivrer les services, on ne peut pas toujours faire le meilleur service au profit de l'enfant. Il faut renforcer l'implication des acteurs locaux, donc dans la coordination, continuer tout le travail de formation avec les travailleurs sociaux. Et vraiment, je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette session et présenter nos excuses parce que nous aurions voulu vous laisser la parole, avoir un temps d'échange plus riche, mais nous sommes, vous pouvez toujours continuer à répondre en répondant au dernier poll, au dernier Mati qui est dans le chat. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont bien voulu venir de l'Irak, les collègues de l'Irak, salam, les collègues du Burkina, bonjour, les collègues de Genève, merci beaucoup pour votre participation et merci infiniment, Elena et toute l'équipe pour l'appui. Merci beaucoup, merci. J'espère que c'était une session qui vous a, dans laquelle vous aurez un peu appris des choses ou en tout cas trouvé intéressantes. Qui a le mot de la fin? Est-ce qu'on peut laisser la parole aux collègues du Iraq Hub pour un mot de fin, si c'est possible? Je vais passer, je vais venir avec Georges, peut-être qu'on va anticiper. We're really at time. Is there a comment from the Iraqi Hub? Yes, if they want to share something. شكرا جزيلا للعروض اللي تم تقديمها. حقيقة كانت تجارب يعني فعلا هي مفيدة خصوصا بأنه احنا نطلع على تجارب الدول الأخرى. يعني هذه واحدة من الميزات خلينا نقول المهمة لهذا الاجتماع. لأنه مشاركة التجارب حقيقة راح نستفاد من عدد حتى نشوف إحنا على مستوى العالم شنو اللي دي يصير بقطاع حماية الطفل بمجال حماية الطفل وبالغالب هي أكو كثير من السياقات هي متشابهة لأنه هي ما بين سياقات متعلقة بالصراع ومتعلقة بالحروب فمشاركة هذه التجارب حقيقة تثرينا بكثير من المعلومات كثير من خلينا نقول الخبرات اللي راح نستفاد من عندها اثناء تنفيذ برامجنا على مستوى الميدان شكرا جزيلا لتجربه بوركينا فاسو شكرا لكل المتحدثين اللي قدموا لنا العروض اللي كانت فعلا ممتعه ومفيده merci beaucoup aux collègues de la RDC aussi de tous les pays merci beaucoup merci شكرا